Ma cousine de 19 ans musulmane, qui était musulmane, a quitté le Mali pour aller étudier en Algérie. Au cours de 9 mois, au bout de 9 mois, elle a quitté l'islam pour devenir chrétienne. Par une amie, par le biais d'une amie arafouane, avec qui elle partage la chambre. Ses parents, donc mon oncle et ma tante, se posent la question de savoir quelle est la méthode qu'il faut employer pour qu'elle revienne en islam. Barakallahu fikoum. وحياكم توفيق تفضل شيخ. Quand j'entends quelque chose pareil, une histoire pareille, j'ai mon cœur qui se serre. J'ai mon cœur qui se serre. Subhanallah l'Azim, comment peut-on apostasier et subhanallah l'Azim, yani sortir de l'islam et aller vers yani une religion, une fausse religion, pour se trouver à la fin éternellement en enfer. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver. Mais laissez-moi vous dire une chose. Jamais, jamais de la vie, une personne qui a connu l'islam et une personne dont l'islam s'est ancré dans son cœur ne peut quitter l'islam. C'est une règle générale. Jamais, au grand jamais, une personne qui a vraiment connu l'islam, donc par conséquent, connu Allah et l'aimé, qu'elle puisse sortir de cet islam pour aller y aller, se jeter en enfer. C'est impossible. Toute personne qui était musulmane et qui change de religion, ça veut dire que c'est une personne ou bien qui n'a pas connu l'islam, ou bien qui n'était pas sœur. Elle était juste rentrée comme ça en islam par mode ou par je ne sais pas quoi, pour plaire aux gens ou là pour plaire à un homme ou là, et elle a vite quitté. C'est pour ça que le prof Najashi, quand il a commencé à poser la question à Abu Sofiane sur Yanni, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en Abyssinie, en Éthiopie. Vous connaissez tous le hadith. Il lui a dit, bon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci, cela. Il dit qu'il ne faut pas adorer les statues, qu'il faut faire la piété familiale, qu'il ne faut pas mentir, ceci, cela. Il nous a ordonné la salat, la zakat. Il a dit, est-ce que les gens, parmi les questions, est-ce que les gens qui le suivent sortent de cette religion? Abou Soufiane a dit non. L'autre a dit, Najashi, il a dit, Naam, c'est comme ça, yani, la vraie religion. C'est comme ça l'islam. Quand quelqu'un, et pourtant celui-là c'est un chrétien, il connaît cette chose. Quand quelqu'un rentre en islam et qu'il est sincère, il est rentré sincèrement pour Allah. C'est pas pour yani, des intérêts de ce bas monde. Mais pour Allah, jamais il n'en ressortira, même si on le coupe avec un couteau. On prend une épée, on coupe ses jambes, ses mains, sa langue, ses yeux, ses oreilles, jamais il ne sortira de l'islam. Donc, on dit que cette cousine-là, hein, vraiment n'a pas connu l'islam. C'est juste qu'elle prenait l'islam héritage. Les parents sont musulmans, je suis musulman. Elle n'empêche que il faudrait lui faire beaucoup de, comment dirais-je, il faudrait lui faire beaucoup de, comment on appelle ça, c'est pas de leçons, de, attendez, je cherche le mot, comment on dit, il faudrait lui faire des rappels, il faudrait lui faire beaucoup de rappels, lui envoyer des livrets, des ceci, ça. Ensuite, la personne n'a pas dit, si elle est de la cousine, elle est maintenant chez eux ou là, elle est loin dans un autre pays. Car ce qu'il faudrait aussi, et le plus important, c'est de l'éloigner de la personne qui a eu de l'influence sur elle. Parce que celle-là, ce n'est pas tout seul, elle est devenue chrétienne. On lui a fait la da'wa. Et les chrétiens et les chrétiennes, quand ils font la da'wa, ils la font surtout en se basant sur le matériel. Vous avez compris? C'est pas il te fait da'wa, yani il va te croire avec les délits. Il va te citer des choses de la Bible. Tu vas dire, oh, masha'Allah, donc là, je vais devenir chrétien. Non. Il va t'attirer matériellement. Ici en Algérie, ils leur disent, on te donne le visa pour la France. Qui sera que toi? Tu vas vivre en France. La liberté, les filles,
l'argent, l'euro. Bam, tu vas vivre là-bas comme un roi. Donc, lui, il est là, ni travail, ni argent pour acheter des cigarettes, ni rien. Où il trouve ça? Il trouve un visa, il se trouve en France, avec les filles, avec ceci, cela. Il dit, je suis prêt. C'est pas devenir chrétien, devenir bouddhiste si vous voulez. C'est pour ça que, comme je viens de dire, les chrétiens ne font jamais la da'wah et le prêche avec conviction. Il te convainc pas. Non. Il te fait matériellement. Il te dit, je donne les âges, je te donne ceci, je te marie, je te donne une maison, je te donne une voiture et comme ça. Donc, il faudrait y aller essayer de faire le maximum pour éloigner cette fille de l'entourage. L'entourage, c'est l'entourage qui lui a fait la dawa. Donc, il faudrait l'éloigner de l'entourage et il faudrait la vacciner. La vacciner en lui, yani en voyant des livrets, des cassettes, ceci, cela. Ensuite, si ça ne marche pas du tout, si ça marche pas du tout et que les parents savent que ils ont tout fait et que ça ne marche pas, il faudrait passer à gagner l'autre côté, c'est-à-dire utiliser les moyens forts, c'est-à-dire dire voilà, tes parents vont se désavouer de toi, ils te donnent un ultimatum, un mois, 15 jours, 2 mois, ou bien tu reviens, ou bien donc c'est pas la peine de, on se connaît plus, c'est pas la peine de revenir vers nous là pendant les vacances ou ceci ou cela, tu n'es plus notre fille et comme ça, et on va voir, peut-être que yani elle aura peur d'Allah ta'ala. Et puisse Allah subhanahu wa ta'ala aider cette famille à récupérer leur fille. On demande Allah subhanahu wa ta'ala an yahdiyaha wa yashraha sadraha lil islam wa an yukarriha ilayha al kufra wal fusuq wal isyan. Tfadlal.